Let's close our eyes for a word of prayer. Fermons nos yeux pour la prière. Our Father, we thank you for this day. Notre Père, nous te remercions pour ce jour. We are grateful to you because you have counted us worthy of receiving the truth. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as compté dignes de recevoir la vérité. We praise your name for the way you've been giving us the truth since we came. Nous bénissons ton nom pour la manière dont tu nous donnes la vérité depuis que nous sommes venus. We are praying that your spirit will help us to be able to give the attention, the obedience, everything requires in Jesus' name. Nous prions que ton esprit nous donne la force de pouvoir avoir l'attention, la grâce et tout ce qui est nécessaire au nom de Jésus. Lead us in what we're going to share together now. Conduis-nous dans ce que nous voulons partager maintenant. Help us not to stubbornly go our own way. Ne nous permet pas d'aller avec l'endurcissement. Help us to be submissive to your word and your will. Aide-nous à être soumis à ta volonté. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. This morning we are considering the subject of the true worship and true fellowship. Ce matin nous considérons le sujet de la vraie adoration et de la vraie louange. In the world in which we live, religion has become something very, very professional. Dans le monde où nous vivons, la religion est devenue quelque chose de très, très professionnel. Not only is religion professional in the world in which we live, Christianity, by and large, in many churches have become professional as well. Ce n'est pas seulement la religion qui est devenue professionnelle dans ce monde, mais la chrétienté, petit à petit, dans toutes les églises et à travers le monde, est devenue aussi professionnelle. In Africa here, the many nationals that carry on worship and fellowship called Christian fellowship, but very, very far away from the Bible. En Afrique, ici, il y a des groupes qui conduisent, qui entretiennent des communions et des adorations qu'ils appellent chrétiennes, mais qui est très loin de la chrétienté. In West Africa here in particular, there are many people that go by the name of a church, but you cannot find any truth of the Bible in those assemblies and congregations. Et ici même en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup qui vont par le nom d'une église, mais vous ne pouvez rien retrouver de chrétien dans toutes ces congrégations. It appears the word of God is strange to them. They do not even want the teaching of the word of God. Il semble que la parole de Dieu leur est étrangère et qu'ils ne veulent même pas l'enseignement de la parole de Dieu. They are used to missionaries coming from America or coming from Canada, coming to just distribute literature, have a crusade, after that hand over everything for them to continue in the amalgamation of a little Bible, a little ideas from America, a little traditional worship, put everything together, continue in the name of a church. Et ils ont été habitués aux prédicateurs qui viennent d'Amérique ou du Canada, qui viennent distribuer de la littérature, qui viennent faire la croisade, et après ils remettent tout entre leurs mains, et eux ils continuent dans l'amalgame d'un peu de Bible, un peu de monde, et ils continuent ainsi. These pastors in West Africa, they'll be invited to America or Canada. Ces pasteurs en Afrique de l'Ouest sont invités aux États-Unis ou au Canada. When they're invited to America or Canada, the missionaries over there are not interested in teaching them on the word of God, on worship, on fellowship. They just use them to talk to large congregations of churches there about what they are doing in West Africa so they can raise up money to bring back to West Africa. Et ils ne les invitent pas afin de les enseigner sur la communion fraternelle, sur l'adoration, mais ils les invitent afin de pouvoir les utiliser et de prêcher et de susciter de l'argent pour amener en Afrique de l'Ouest. These pastors from West Africa will take photographs with the white people that are there, the Americans. They'll be invited to houses of the members to eat. Then they will beg for money, beg for this, beg for that. Then they come back to West Africa. There is no change, there is no training, there is no teaching of the word of God, and they just continue in what they were doing before. They carry on the professional religion in the name of a church. Et ils y vont, et ils vont seulement pour manger par-ci par-là,
et commandaient de l'argent, et lorsqu'ils reviennent avec l'argent, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de formation, et ils continuent dans les mêmes choses qu'ils faisaient avant. And whenever we send our missionaries to West African countries, et toutefois qu'on envoie nos missionnaires dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, to go and distribute literature, afin d'aller distribuer la littérature, or to organize for a public meeting, ou bien d'organiser des réunions publiques, these pastors of various churches, they are familiar with receiving visitors from other countries like that. Et ces pasteurs de ces pays d'Afrique de l'Ouest sont habitués à recevoir des visiteurs, des pasteurs comme cela. They are happy that missionaries have come from America, from Canada, from Britain, now from Nigeria. Wonderful. Et ils sont contents que des missionnaires soient venus des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Et maintenant, ils sont venus du Nigeria, que c'est merveilleux. But then they are looking for the same thing that the Americans have done. Et ils attendent de voir la même chose que les Américains ont fait. They are not looking for the teaching of the Word of God. Ils ne recherchent pas l'enseignement de la parole de Dieu. They are not looking for the establishment of a true fellowship. Ils ne cherchent pas l'établissement d'une vraie communion. They are looking for distribution of clothing materials, of literature, of money, and then bringing them to Nigeria, taking photographs and introducing them to various people, just like the Americans will do. Ils recherchent seulement la littérature, les vêtements, et ils prennent des photographies qu'on peut amener au Nigeria, tout juste comme les Américains le feront. And at the beginning, the first week, we send a missionary to a country. Et à la première semaine, on envoie un missionnaire dans un pays. You find many people coming together. Et nous voyons plusieurs personnes qui viennent ensemble. 100 people. Près de 100 personnes. 200 people. 200 personnes. And if we're going to have a crusade, et si vous voulez avoir une croisade, all the pastors of various denominations will gather together. Tous les pasteurs des différentes dénominations vont s'assembler. They bring all their people. Et ils amènent tous leurs hommes. They bring all their drums. Ils amènent tous leurs tambours. They bring all the things that they use in their own worship. Et ils amènent tout ce qu'ils utilisent dans leur adoration. And they begin to rejoice that we're having another Christian assembly, ceremony and gathering. Et ils se réjouissent de ce que on a maintenant une nouvelle assemblée, une nouvelle cérémonie chrétienne. But the moment you begin to talk about the Bible, you bring out the Bible, about 90% of the people will go back home and say, we thought it's a very good thing we're going to enjoy. Look at this man, all he brings is Bible. What are we going to eat in the Bible? Mais à partir du moment où on parle de la Bible et tout le monde est déconcerté, tout le monde est découragé, on pensait que c'est quelque chose de bon qu'ils allaient amener, qu'allons-nous manger de la Bible? The rest of the 10%, they are waiting for opportunities. Maybe the rest have gone away, now the money can go around the people that remain. Et le reste du pourcentage attend une occasion, de sorte que comme les autres sont partis, ils pourront peut-être accaparer l'argent qui reste. Then you establish a Bible study group. Et on établit un groupe biblique. And when the people come into the Bible study group, et quand les gens viennent dans le groupe d'études bibliques, you sing. Ils chantent. For the singing, you don't allow all the freedom and the liberty and the holding and the kissing and what they call fellowship. Et vous n'admettez pas tout ce qu'ils font, qu'ils appellent la communion, c'est-à-dire s'embrasser et se donner des baisers, qu'ils appellent la communion. And then after singing for a few minutes, you bring out the Bible. Et après avoir chanté pendant quelques minutes, vous parlez de la Bible. They are used to Bible preaching of 10 minutes, but then you speak for 1.5 hours. Bible. Et ils sont habitués à l'enseignement de la Bible pour 10 minutes, mais vous parlez de la Bible pendant 1 heure. After you finish, then you call them to pray. Et quand vous finissez, vous les appelez à prier. They are used to prayer. Et ils sont habitués à la prière. Because there are many forms of prayers in West Africa. Et puisqu'en Afrique de l'Ouest, il y a différentes sortes de prières. You get to Cameroon, there is a type of prayer. Vous allez au Cameroun, il y a un type de prière. You get to Ghana, there is a lot of prayer. Et vous allez au Ghana, il y a une loi de la prière. You get to Ivory Coast, there is a lot of prayer. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez aussi différentes prières. But then after the Bible study, you call them for prayer. Et après l'étude biblique, vous les appelez à la prière. And you begin to tell them while they are praying.
repent of your sin. Immorality is bad, adultery is evil, fornication will damn you, and you know, you just repent and you know, cry for your sin, give yourself to the Lord. They begin to open their eyes and say, what kind of prayer is this one? Et quand vous les amenez, vous les appelez, vous leur dites pourquoi ils doivent prier, qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, que l'adultère, la fornication, c'est mauvais, et ils ouvrent leurs yeux, ils se demandent mais quelle sorte de prière? When you finish, then you announce that next week, Wednesday or Monday or Saturday, we're coming back again and we're going to have another Bible study. Et quand vous finissez, vous leur dites la semaine prochaine, soit samedi, soit lundi, soit dimanche, nous allons avoir encore une étude biblique. The following week you are there with your wife, if you have a wife, and or you are there with the person you are living inside this house and he cannot escape and run away, and those are the only two people you find for that day. Et la semaine prochaine vous vous retrouvez là, peut-être si vous avez une femme, bon, ou bien si vous êtes logé chez quelqu'un, ce sont ces deux personnes là que vous retrouvez à l'étude. They have gone around telling one another it is not like the one from America. Et ils sont partis partout pour se dire les uns les autres que ce n'est pas comme ceux des Américains. It's not like the one from the white people. This one is difficult. This one is terrible. Et ce n'est pas comme celui des blancs, celui-ci vraiment est trop dur. They do not understand true worship and true fellowship. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la vraie adoration et la vraie communion. But thank God. Mais nous remercions that Dieu. There are people, the remnant, who are seeking after God. Mais il y a le reste qui cherche Dieu. And even in these various countries, you'll find that there are people who have been looking for the truth for a long time. Et même dans ces différents pays, on peut rencontrer des personnes qui cherchent Dieu depuis longtemps. And even though there will be a lot of discouragement. Et quand bien même il y aura beaucoup de découragement. Their friends discouraging them. Les amis les découragent. Their parents discouraging them. Les parents les découragent. Their church leaders before discouraging them. Les responsables de l'église à laquelle ils appartenaient avant les découragent. These people, they continue to come. Et ces gens continuent de venir. Until eventually they are born again. Jusqu'à ce qu'ils soient convertis. And they begin to share fellowship together. Et ils commencent à partager la communion. And the church is established. Et l'église s'établit. Thank God. In West African countries now the work has been established. Et nous remercions Dieu en Afrique de l'Ouest maintenant l'œuvre est établie. Not only in West Africa, in East Africa the work has been established. Ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest mais en Afrique de l'Est aussi l'œuvre est établie. In 1977 when I went to Kenya. En 77 lorsque je suis allé au Kenya. And I saw the people. Et j'ai vu les gens. The way they understood worship. La manière dont ils comprenaient l'adoration, different thing. C'est vraiment différent. Eventually, when we sent a missionary there, et quand nous avons envoyé un missionnaire là-bas, things were slow and difficult at the beginning. Les choses étaient très lentes et difficiles au début. But thank God now, mais nous remercions le Seigneur. We're hearing reports from Kenya. Nous entendons des rapports du Kenya. The church is growing. L'église croît. In London, à Londres, when we went in, I think 1982. Quand nous y étions en 82. A little Bible study had started at that time. Il y a une petite étude biblique qui avait commencé en ce temps. The whites will not show up. Les blancs ne viendront jamais. It was a fellowship of children, students who left Nigeria, who went to London to study. C'était la communion fraternelle des étudiants qui sont quittés le Nigeria pour aller étudier. And people from Ghana who are in London, people from West Indies who are in London, people who are whites who are in London, they'll never go to that fellowship. Et ceux qui sont blancs, qui sont à Londres, ne participeront jamais à cette communion. And then I got there 1982, as I said. Et j'y étais en 1982, comme small je l'ai dit. Group of people. Un petit groupe de personnes. Like these people that are here now. Comme this group of personnes people. Qui sont ici maintenant. Very small. Très petit. Some people that heard that I was around, they came to join them. Et certaines personnes qui savaient que j'étais là sont venues les joindre. And I think about two white people came to, not to worship, but to obey. Et je crois qu'il y avait deux blancs qui étaient venus non pas pour avoir la communion mais pour observer. And I talked to them. Et je leur ai parlé. Then I told the people that are there. Et j'ai dit aux gens qui étaient là. Said, don't lower the standard. Keep to this same Bible even in this London. Il ne faut pas abaisser le standard. Il faut être attaché à la Bible même à Londres ici. They asked a lot of questions. Ils ont demandé plusieurs questions. If we're going to do this thing in this place, these people don't want this. They don't want this. They don't want this. It's not what they want. It's what God wants. Et si nous voulons faire ceci ou cela ici, ces gens n'aiment pas ceci. Ils n'aiment pas cela.
Ce n'est pas ce que les gens aiment, mais ce que Dieu aime. Last year I was in London 4 times. L'année passée, j'étais à Londres 4 fois. I called the workers together. Et j'ai appelé les ouvriers ensemble. And I said we're going to have a crusade. Et je leur ai dit que nous allons avoir une croisade. They looked at me. Et ils m'ont regardé. And this one, I think it's like Nigeria. Et ils ont dit, ah, celui-là, c'est un Nigérien. We are going to have crusade. Et on va avoir une croisade. In this London. À Londres ici. Because they have seen other Nigerians having churches in London, coming for crusade in London. Parce qu'ils ont vu d'autres Nigériens qui ont des églises à Londres et qui viennent pour la croisade à Londres. Think of a crusade where you had about 60 people attending. Crusade, 60 people. Et pensez à une croisade où vous avez seulement pour auditoire 60 personnes. A crusade where after you have preached, you give the altar call, there is nobody who wants to get saved. They are all right. Et une croisade où vous lancez l'appel et personne ne veut même être délivré, eux tous sont bien. This year we began to plan it very seriously. Et cette année nous avons commencé à planifier sérieusement. We printed materials. Nous avons imprimé des materials. Sent them to London. Les envoyer à Londres. I went there myself. J'y suis allé moi-même. I sent other people as well. Et j'ai envoyé d'autres personnes. And we had the crusade in August. Et nous avons eu la croisade en août. You heard the report in the church yesterday, did you? Vous avez entendu le rapport hier, n'est-ce pas? Did you hear the report? Est-ce que vous avez entendu le rapport? Let them answer. They are here. Est-ce que vous avez entendu le rapport? Now, the people, they were saved, they were healed, many, many things happened. Les gens étaient guéris, ils étaient sauvés et beaucoup de choses se sont passées. Then we had Sunday fellowship. Et après on a commencé le culte du dimanche. Because the crusade finished on Saturday. Parce que la croisade a pris fin le samedi. And what will surprise you is the number of white people that came from that crusade to come to the Sunday fellowship of that day. Ce qui va vous surprendre, ce sont les blancs qui sont quittés cette croisade pour venir au culte du dimanche. And you will think that at that Sunday fellowship we'll just, you know, tell them this church is wonderful, this church is good, now everybody keep coming. Et est-ce que vous pensez qu'au cours de ce culte, nous allons dire que cette église est merveilleuse, donc continuez de venir? That Sunday morning, I gave them the word of God. Mais ce dimanche matin, je leur ai donné la parole de Dieu. They are used to, I mean, those people that just came to the church that Sunday, not our members, the other people, they are used to 15 minutes message, 20 minutes message. I never preach 15 minutes message because I'm not giving announcement, I'm preaching. If I'm going to preach, I really preach. Et ces personnes-là qui sont venues à l'église, non pas nos membres, ils sont habitués à des messages de 15 minutes. Mais moi, je ne fais pas des messages de 15 minutes. Si je veux prêcher, je prêche normalement. If I'm going to give testimony, I give testimony 10 minutes, 15 minutes. If I'm going to preach, at least 1 hour. Et si je veux faire des témoignages, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Mais si je veux prêcher, au moins 1 heure. While I'm preaching, if I see the people doing this, I put away my eyes. Quand je prêche et je vois les gens faire ceci, je détourne mon regard. Because I know that one doesn't want to hear the word of God. Parce que je sais que cette personne ne veut pas écouter la parole de Dieu. He wants to be set free from the word of God and go and enjoy himself. Il veut être débarrassé de la parole de Dieu et aller se réjouir. But you know what surprised me that Sunday? Mais vous savez ce qui m'a surpris ce jour? After preaching and giving them the word of God for more than 1 hour. Après avoir prêché et leur donné la parole de Dieu pendant plus d'une heure. They prayed. Ils ont prié. Then I said I would counsel those people that need counseling. Et j'ai dit que je vais conseiller ceux qui ont besoin de conseils. The whites and the blacks, they stayed for counseling. We started at 2 o'clock. At 5 o'clock, I took permission to go and eat. I came back, continued the counseling till around 7:30 in the evening in London. Et il y avait les blancs, il y avait les noirs qui sont venus pour le conseil. Et nous avons commencé à 14h jusqu'à 17h. Et j'ai demandé la permission pour aller manger. Et après, nous avons continué jusqu'à 19h30. Think of a European who has been in the church since 11 o'clock that saw the scripture started. Then we finished the service after one. Some people greeted me. Think of these Europeans still waiting until 5 o'clock before it came to her turn to be able to see me for counseling. Imaginez un peu ce blanc qui, depuis le matin, est resté au culte jusqu'à 17h, attendant d'être conseillé, attendant son tour. Pensez un peu à cela. I am telling you this so that you will know everywhere Deeper Life Bible Church is established.
we stay on the word of God. C'est, je vous dis cela afin que vous sachiez que n'importe où l'église biblique de la vie profonde est établie, que nous nous attachons à la parole de Dieu. And in your country, et dans votre pays, wherever that country is, quel que soit ce pays, when deeper life comes with the Bible, we come with the whole Bible. Quand le ministère de la vie chrétienne vient, elle vient, il vient avec toute la Bible. Because we believe, parce que nous croyons, that if anything is going to go on and bear fruit in any country, it is going to be according to the word of God. Car si quelque chose devra se passer et produire des fruits dans un pays, c'est à travers la parole de Dieu. We do not compromise the word of God. Nous ne faisons pas de compromission sur la parole de Dieu. We stand solidly on the word of God. Nous demeurons solides sur la parole de Dieu. Overseas, there are people that they are charismatics and they speak in tongues. Dans les pays européens, il y a des gens qui parlent en langue qui sont charismatiques. And sometimes I'm in a meeting. Et des fois je suis à des réunions. And there are many people that come to that meeting. Et beaucoup de personnes viennent à ces réunions. While they are singing choruses. Et ils chantent des chœurs. Or we are worshiping. Ou adorer. Some of the people can begin to do funny things. Et certains peuvent faire des choses malicieuses. As a minister of the gospel, I do not follow after them in that meeting. Even when I am the only one not doing what they are doing, I stand separate on the word of God. En tant que ministre de l'évangile, je ne les suis pas dans ce qu'ils font. Même si je suis le seul qui ne fait pas ce qu'ils font, alors je demeure ferme sur la parole de Dieu. Right there in London, I had to tell them, there are people all over the world, America, Canada, Britain, Africa, Asia, will come to the church like this, they raise up their hands, they speak in tongues. After leaving that place, they go and smoke. They are not Christians, they are not born again. Et pendant qu'ils faisaient le culte, qu'ils adoraient, ils lèvent la main des gens qui sont venus du Canada, de l'Europe et d'un peu partout. Et après avoir fini ça, ils vont et ils commencent à fumer. We stand solidly on the basic true word of God. Nous demeurons solidement sur la base, la parole de Dieu. Now it's very important for you this morning to listen to this message on true fellowship. C'est vraiment important pour vous ce matin d'écouter le message sur la vraie communion et la vraie adoration. And as you listen to the message on true fellowship, there is one thing you will have to do. Et comme tu es en train d'écouter ce message sur la vraie communion, il y a quelque chose que tu dois faire. You will have to begin to examine your own heart, your own life. Tu vas commencer par examiner ton propre cœur, ta propre vie. And compare everything you hear with the word of God. Et comparer tout ce que tu entends avec la parole de Dieu. And where you see that you are different from the word of God, to begin to repent and to change. Et là où tu vois que tu es différent de la parole de Dieu, tu commences par te repentir et par changer. And then you need to begin to examine your own fellowship, your own church location, where you are in your country. Et tu commences aussi par examiner ta congrégation, la communion fraternelle, là où tu te trouves dans ta station. And begin to compare your own church fellowship in your country with what you see in the Bible and from the headquarters here. Et tu commences par comparer ton église, ta congrégation, là où tu es, avec ce qui est dans la Bible et ce que tu as vu ici. And where you find that you have not been doing everything according to the word of God, to change and come back to the word of God. Et là où tu as vu que tu as découvert que tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, tu changes et tu viens à la parole de Dieu. Now in true fellowship, we're talking of fellowship with God. Dans la communion fraternelle qui est vraie, on parle de la communion avec Dieu. In John chapter 4 verse 23 and verse 24. Jean chapitre 4 verset 23 et 24. But the hour cometh and now is when true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. In Christian worship, the spiritual is emphasized, the carnal, the fleshly is removed. Dans la communion chrétienne, là, on voit que le spirituel est, on met l'accent sur le spirituel et ce qui est charnel, ce qui est de la chair, est mis de côté. The tendency all over the world
La tendance à travers le monde, especially among Pentecostal people, spécialement au milieu des gens qui les pentecôtistes, especially among the charismatic groups, spécialement parmi les charismatiques, especially where you have many young people in that worship, et spécialement lorsque on a plusieurs jeunes gens qui sont dans cette communion, the emphasis is to put major sin on the flesh and then put a little thing on the spiritual side. L'emphase est de mettre la chose majeure sur la chair et le peu sur ce qui concerne l'esprit. That's why you find that in groups of young people, dancing is very much emphasized. C'est pourquoi vous voyez parmi les jeunes, la danse est beaucoup, on met beaucoup l'accent sur la danse. Happiness in the fleshly side is very much emphasized. La joie pour ce qui concerne les choses charnelles, on met l'accent dessus plus. Holding one another within the worship is very much emphasized. Se tenir les mains les uns les autres, on met beaucoup l'accent là-dessus. Embracing one another in the worship is very much emphasized. On met l'accent sur le fait de s'embrasser dans la communion. Because the people are going away from the spiritual to the carnal and the fleshly. Parce que les gens se détournent de ce qui est spirituel pour aller vers ce qui est charnel et ce qui est mondain. Jesus himself said, the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Mais Jésus-Christ lui-même il dit que le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Where your worship is all just superficial. Quand votre adoration est seulement superficielle. A lot of drumming, a lot of dancing. Beaucoup de tambour, beaucoup de danse. A lot of holding one another in the worship. Et beaucoup du fait de se tenir les mains les uns des a autres. A lot of emotional display in the worship. Beaucoup d'exhibitions émotionnelles. You are going away from the spiritual, you are going to the fleshly and the carnal. Vous quittez ce qui est spirituel pour aller dans ce qui est charnel et mondain. And some people will say, if we don't do that, young people will not come to church. Et certains diront, si nous ne faisons pas ainsi, certains jeunes gens ne viendront pas. And therefore, let us give them what they're looking for in the dancing halls, we call it disco in Nigeria. What do you call it in disco? The same disco. Even in your own, So they give them the same thing they're looking for in disco. Give them in the church. Que il est mieux de leur donner ce qu'ils cherchent dans le monde, tel que le disco dans l'église. But you know, if you are going to worship God, mais si vous voulez adorer Dieu, you leave the things of the world in the world, and then you bring spiritual things into the church. Vous laissez les choses qui appartiennent au monde dans le monde, et vous amenez les choses spirituelles dans l'église. Let's understand that in fellowshipping with God, et nous devons comprendre que dans notre communion avec Dieu, God is a holy God, and we cannot fellowship and worship him with a sinful action. Dieu est un Dieu saint et nous ne pouvons pas l'adorer et avoir communion avec lui dans une attitude pécheresse. God is a true God. We cannot fellowship or worship him with a deceitful attitude. Et Dieu est un Dieu vrai et saint. Nous ne pouvons pas l'adorer avec une attitude trompeuse. God is a pure God of purer eyes than to behold iniquity. We cannot be worshiping him while we are perpetrating, continuing impurity right in the church in the presence of God. Dieu est un Dieu pur dont les yeux percent la pureté et nous ne pouvons pas l'adorer en continuant à perpétrer les choses qui ne sont pas saintes même dans l'église. God is a spirit, a spiritual. Dieu est esprit et il est spirituel. We cannot worship him with a traditional cultural activity. Et nous ne pouvons pas l'adorer avec une tradition culturelle. Some people will say this is our tradition. Et d'autres diront que ça c'est notre tradition. This is our culture. Et ça c'est notre culture. And all the idolatrous drumming, all the idolatrous choruses that they had in their countries before Christianity came, they bring that same thing into the church and they say, well, it is part of our culture. Let's have it in the church. Et tous les chœurs, tous les cantiques qui sont idolâtres et les tambours idolâtres, ils disent que c'est leur culture.
Amenons cela dans l'église. If we're going to worship God, si nous voulons vraiment adorer we Dieu, must understand that God is a pure God. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu pur. He's a holy God. Il est un Dieu saint. He's a true God. Il est un Dieu vrai. And God is a spirit. Et il est aussi esprit. And therefore, our worship, c'est pourquoi notre adoration must reflect, doit refléter the holiness of God, la sainteté de Dieu. Our worship, notre adoration must reflect the purity of God, doit refléter la pureté de Dieu. Our worship, notre adoration must emphasize the spiritual more than the fleshly and the carnal, doit mettre l'accent sur ce qui est spirituel plus que ce qui est charnel et mondain. Then we must also understand that it is not all the people coming to worship on Sunday that is actually already born again having fellowship with God. Et nous devons aussi comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui viennent pour le culte le dimanche qui sont vraiment nés de nouveau et qui sont en communion avec Dieu. And at every opportunity in the church, et à n'importe quelle occasion dans l'église, whether you are preaching on Sunday or you are leading a Bible study during the week or you are having a miracle revival hour, at every opportunity, talk about sin separating us from God, the Savior bringing us back to God. Et à chaque occasion, que ce soit le dimanche ou à l'étude biblique du lundi ou à l'heure de prière du jeudi, à n'importe quelle occasion, nous devons leur annoncer que le péché nous amène à la mort, mais le fait de se débarrasser du péché nous amène au Seigneur. Do not allow people to deceive themselves. Il ne faut pas accepter que les gens se trompent eux-mêmes. And feel that they can remain in sin and be in fellowship with God. Et penser qu'ils peuvent demeurer dans le péché et être encore en communion avec Dieu. And do not deceive your own self that you can be remain in sin and be in fellowship with God. Et il ne faut pas te tromper toi-même en disant que tu peux rester dans le péché et être en communion avec Dieu toujours. In Isaiah chapter 59, Esaïe chapitre 59, from verse 1, verset 1. Behold, the Lord's hand is not shorten that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Your iniquities have separated you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Let us understand that if we're remaining in sin, we cannot be in fellowship with God. Et nous devons comprendre que si nous demeurons dans le péché, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. There are countries who have sent missionaries. Il y a des pays où nous avons envoyé des missionnaires. And then the nationals, the people in the country will call that missionary. Et les autochtones vont appeler ce missionnaire. And they will say we have heard a lot about this deeper land. Et ils vont dire que nous avons beaucoup entendu parler de ce ministère. And we are going to cooperate. Et nous allons collaborer. We want this deeper life in our country. Nous voulons ce ministère dans notre pays. But please remember that Nigeria is different from this country. This is our country. Mais nous voudrons que vous sachiez que le Nigeria est différent de notre pays. The people here, drinking is their life. Les gens ici, la boisson, c'est leur vie. And anything that will take that drinking away from them, they will never go near it. Et tout ce qui pourra enlever cette boisson de leur vie, ils ne s'y approcheront jamais. Other people will say, in this our own country, we don't know anything about fornication. You talk about fornication too much. We don't know anything about fornication. What we know is that God loves us. He wants us to love one another. And we have friendship, boyfriend, girlfriend. And we can even be living together, behaving like husband and wife, and never get married. That is the life in this nation. If you touch that area, nobody will come. We like deeper life, but please don't touch that area. Et certains diront que ici, on ne parle pas de fornication.